ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी ने एकांत का अनुभव किया दिन में कई बार। Aujourd'hui, nous avons tous expérimenté la solitude de nombreuses fois à travers la journée, mais toujours dans la compagnie de l'unique. Nous sommes allés aussi dans la profondeur de l'unique de l'océan. Nous avons expérimenté le silence et le niveau inébranlable. Je pense que vous tous avez expérimenté cela parce que dans la vie, l'importance est d'expérimenter cette pratique, d'expérimenter cette compagnie parce que quand il y aura des tests, et des situations difficiles, des obstacles. Baba dit que c'est seulement qui ont un tel pouvoir, s'il peut y avoir des bouleversements. Baba dit qu'à travers le pouvoir du silence, nos pensées fonctionneront. Et donc, c'est aussi à travers la solitude que nous pouvons expérimenter ce pouvoir du silence. Donc, vous avez tous reçu cette opportunité à travers la journée, à travers une réflexion. Baba dit ceux qui restent dans la solitude, leur concentration est très bonne. Il y a une concentration à travers l'étude. Et ils ont cette capacité de se souvenir de l'unique à travers ce niveau de concentration. Baba veut que chacun atteigne ce niveau de concentration. Donc, d'écouter le murli avec cette concentration et de garder la rishti du Sadguru et obtenir les bénédictions quand on écoute le murli. Et ne pas être piégé par toutes les distractions qu'il peut y avoir, même pendant que se déroule le murli. Donc, il y a une telle concentration que tout en écoutant le murli, Bama disait, devenez l'incarnation, tout en écoutant. Donc, il ne s'agit pas d'expérimenter puis d'après être à l'incarnation, mais d'expérimenter tout en étant l'incarnation. Chaque parole, chaque mot a de la valeur. Et celui qui est concentré, tout en écoutant le murli, ils vont boire le nectar en même temps. Ils vont recevoir la douceur de Baba, l'amour de Baba. Tout cela est expérimenté tout en écoutant le murli. Oui, à travers la journée, nous nous souvenons de Baba. Mais au murli, Baba nous enseigne c'est le Père du monde entier qui nous enseigne. Et où que vous soyez, Baba dit, vous devez étudier le murli. Et donc, à travers la concentration, nous pouvons voir combien de pourcentage il y a de cette concentration à travers le murli. Tout en écoutant le murli, est-ce que je suis concentré? Où est mon intellect? Il ne devrait pas courir ici et là. Tout en écoutant le murli, il ne devrait y avoir que l'unique, le souvenir de l'unique. Et alors, aux heures matinales, quoi que nous recevions dans l'intellect, alors à travers la journée, quand nous essayons de le souvenir, alors nous verrons
que ce churning, à travers la journée, soit acquis. Donc, devant nous connecter à lui et ensuite churner la connaissance, aller dans la profondeur de la connaissance à travers la journée. Donc, il y a le pouvoir dans la connaissance, de même que le pouvoir du souvenir. Ekagrata n'est pas seulement la concentration. Cela signifie ce que nous avons besoin pour le niveau de concentration est différent de ce que peuvent avoir les gens dans le monde, tout en étudiant, tout en étant dans les relations des uns avec les autres. Il devrait y avoir que l'unique dans l'intellect. Alors, vous avez donc pratiqué la concentration et la solitude, c'est ce que nous avons eu dans le Murli aussi aujourd'hui. Et donc, nous devons continuer cette pratique. Om Shanti.